Tu es qui? Bonjour. Salut. Alors, qui êtes-vous? Que suis-je, vous, gars? D'accord. Oh oui, ça je te crois. Alors, tu sais, j'ai des renseignements. Ah, de Klauf. Échec. N'est pas assez. Ah. Bon, écoute, tiens, voilà ta thune. Parle-moi de Klauf. Et un vieux dragon rouge. Ah. D'accord, et ses expériences? Des sorceleurs vont tuer ses ordres. Ah. Ok. Eh ben, casse-toi. Bien, bien, bien. Donc, tout cela, tout ce vol, tous ces vols 2, et cette battue générale pour les dragons. Ce serait l'œuvre d'un dragon qui a embauché des orques. Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Je vais juste voir ce qu'il y a là. Allez voir. Non, demi-tour, 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 ici. Ouvrir cette porte. Allez à l'est vers le domaine des gens du feu, et là c'est. Au nord. Alors quoique, parce que c'est au sous-sol, mais on m'a dit au sous-sol il y a des étranges expériences, sauf que le sous-sol, bah c'est là. Et je crois que je mets. Non, c'est ça. Et le sol, donc le sous-sol c'est là. Parce que clairement l'escalier descendait. Et là ça doit être autre chose, ça doit être la continuité. Ce qui fait que je suis un peu perdu là. Je ne sais pas quoi faire dans le bon ordre. Mais là, déjà, je vais aller ouvrir la porte là parce que ça devait être ce que je devais faire, sauf que je l'ai pas fait. Et je vais peut-être faire une. Genre peut-être. Je vais peut-être faire une ellipse par contre parce que si jamais je trouve encore du loot, je pourrais pas le prendre. Ou alors ça va durer 2 heures. Et là, il y a quoi? Il y a une salle, bon, et du. Voilà. Oh, un petit géant de feu! Ah, un champion géant de feu! Attention, ça! Par contre, ouais, Que le merci. sol vous engloutisse! Merci, Dalin, merci. Allez, ouais, Dalin, allez, Dalin, ouais! Icebar menu, par contre, lui là. Oh, wow, calme-toi! Écoute, il s'est mis une armure. Il s'est mis une armure. Il s'est complètement armuré la gueule. Il utilise complètement ça et maintenant il a une arme. Je pense qu'après ça, si je dois dropper l'arme, il y a une ellipse qui va se faire. Ouais. Ah, par contre, si j'ai pas un max d'XP, par contre, 300. Ah, je ne développe pas! Ah, il me manque pas beaucoup! Ah, même pas un petit drop? Ah, je suis déçu. Ah, déçu. Même pas la double hache. Même pas une double hache pour me. Re, pour. Un peu me féliciter. Oh là là. Un pack de soins. Bon, la barrique, elle est pas piégée. Hein? Ah, ce sera pas où? Allez, allez. Ah, j'étais pas devant, lol. Un peu d'or, donc là c'était juste pour le lols en fait, ouais. Bah voyons. Lol. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter.
Eh bah écoute mon grand, on va déjà voir ce qu'il y a dedans. Là là. Oui, là, ton sac est vraiment trop lourd. Donc là, je peux le comprendre. Bien. Bien. Donc, ce que je vais faire, par contre, parce que ça me semble un peu important, c'est de me téléporter jusqu'à la ville, revendre tout mon équipement, mais tout, et je vous retrouve dès que j'ai fini, dès que je suis ici, on va dire au nord, vers le domaine, au nord, vers le domaine des gens du feu. À tout de suite. Et paf, incroyable. Oh, les ellipses, c'est wouh, c'est magique. Donc du coup, j'ai refait un petit peu, j'ai refait un petit peu de vide. Et je pense que ouais, là c'est la suite. Et de l'autre côté, juste là, c'est le sous-sol. Donc on y va. On perd des gens de feu. Ouais, c'est tiens. Exact. Oh, exactement. Oh, si ça n'a pas descendu, c'est-à-dire que j'ai eu bon. Par contre, la zone me fait peur. La zone me fait quand même un peu peur. Je tiens à le dire. Carreau, ouais. Bon, ouais, paf. Un peu pof. Ah, par contre, ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça, comme s'il y avait des portes. Alors que, bah, théoriquement, il n'y a pas de porte. Un peu bizarre. Mais bon, là déjà, je sens que. Ah, j'allais dire. Ah, ouais, c'est ça, ils deviennent invisibles. Ils sont juste invisibles. Ils se rendent juste invisibles tellement ils ont peur. Ah merde, mais. Attends, est-ce qu'il vient de m'avoir de loin? C'est ça, ils m'ont complètement de loin. Ces salauds utilisent des armes à distance. Oh, le level up, oui. Oh oui. Oh, ce doux bruit. Ce délicieux bruit. Bon, on va quand même attendre. Enfin, bah, on va déjà faire ce. Voilà. J'ai envie de dire, je voulais dire, on va aller un petit peu faire cette zone. D'autant que là, il y a une porte. Et là, il y a. Oh, putain, c'est encore des campements. Là, petit coffre avec un piège d'usbi. Ouais, bon, bah, armure, écoute. Ici. Un peu d'or, comme si j'en avais pas assez. Et là, bon, là, y avait un coffre. Petit coffre caché. Et là, il y a un gros coffre. Pack de soins or, ok. Ah, mais l'or, en fait, c'est tellement plus un problème. Ou alors, je joue pas assez difficilement. Ah, y a même pas de piège. Oh, je suis déçu. Je n'ai pas pris la potion. Voilà. Bon, il se faisait une petite ouf. Donc là, ouais, c'était un repère. Alors, le level up. Ah, enfin. Donc, oui, recommandé. Donc, comme d'hab, dans désamorcer les pièges, dans la discrétion, le savoir, déplacement silencieux, le crochetage, très important. La fouille, c'est quoi déjà? C'est pour repérer les pièges. Alors, je mets un point dedans. La détection, je mets un point dedans. Et ensuite, l'utilisation des objets magiques. En fait, ça me sert un peu à rien. Je sais même pas pourquoi j'ai mis un point dedans. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis un point. La pose de piège. Ça me sert à rien, voilà le tir. La persuasion, ça peut être intéressant. La persuasion, ça peut être intéressant.
Perception auditive, j'en ai pas eu trop l'utilité. Discipline, la discipline, ça aussi, ça pourrait être un ça. Putain, ça coûte 2. Premier soin, franchement, non. Je vais mettre un point de la persuasion. Voilà, donc là, c'est bon. Ah! Ah, je peux choisir un don. Ah, intéressant. Alors, j'avais là mon attaque sournoise, pas mal. Alors là, qu'est-ce que j'ai? L'ambidextrie, alors sens du combat. Alors, ok. Alors, arme de prédilection. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Alors, Renat, personne. Requis pour. Ok. Attaque en puissance. Ouais. Botte secrète. Les armes légères. Ah, je n'utilise pas d'armes légères. Combat à deux mains. Ah, combat à deux mains par contre. Ça, ah, moins de, pas mal. Moins de, enfin, moins de. Coup ajusté. Ah, réflexe surhumain par contre. Ça pourrait être intéressant. Science de critique. Souplesse, c'est pour. Ouais, c'est pour plus de dextérité. Ah, c'est pas mal ça. Et volonté de faire. La forte présence d'esprit de personnage confère bonus de plus d'atouts, c'est jet de volonté. Ouais. Figure surhumaine. Oui. Ça va être pour les armes à distance. Talent, capacité d'utiliser une compétence. Je vais prendre la souplesse du serpent. Je vais prendre la souplesse du serpent. Alors, plus 7 points de vie et tac tac tac. Oui, donc attaque sournoise plus 8 des 6. Ouh, ça se pose là. Et donc le prochain est dans 15 000 points d'expérience qui ne seront pas atteints avant un petit moment, à moins bien sûr que je tombe sur un petit ennemi à 500 voire peut-être 1000 d'XP. Je pense déjà à Dragon, tu dois au moins me donner 600-700 expérience parce que franchement, le dragon, si on combat pas, mauvais chapitre parce que clairement, on m'a dit c'est un dragon qui veut du mal donc le dragon. Est à abattre. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un couloir. Un couloir qui ne rejoint pas cette salle, donc qui est différent. Là, on a clairement du strum. Voilà, donc on va y aller. On a 1, 2, 2, 3, peut-être 4. Peut-être 4, 2. Il y avait un piège. Non, deux gens de feu. Alors, Dalin. Dalin, toujours dans un flegme qui lui est propre. Voilà, Dalin, toujours dans son. Toujours lui, toujours là, toujours lent. Qui met des critiques à 60. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Ouais, quand même des coffres. Ah, il y en a un qui s'en vient, il y en a un qui se ramène. Je me cache, je suis. Ah non, je me disais, il passe pas la porte. Je me disais, il passe pas la porte MDR. Ah, ça, si le géant pouvait pas passer la porte, mais je me serais foutu de sa gueule. Mais tellement fort. Ah, j'aurais rigolé. Mais il est passé. C'est pas drôle. C'est tellement pas drôle. Donc ça a l'air d'être une salle de torture ou d'armement, vu qu'il y a un râtelier. Bon, des sorts nuls. Des petits sorts nuls. Écoutez, c'est pas mal. Par contre, il va falloir que je me repose après. N'ayant plus de vie actuellement. Voilà, petit repos.
Je l'avais prévu. Donc à partir de là... Alors ça, ça doit aller ici, qui mène ici. Et ça... Si, ça doit être un... Ça doit être quelque chose à part. Là, si je regarde... Ouais, c'est pour faire joli. Donc là, c'est toute une moitié de donjon. Les donjons ont l'air vachement plus compliqués, bizarrement. À moins que ce soit normal, je ne sais pas. Et là, il y a qu'est-ce que c'est? Il y a des prisonniers. Ah, c'est une prison ici. Bonjour, je suis un quelqu'un. Bienvenue. Alors, qui êtes-vous? D'accord. Oh, j'ai gagné 100 d'XP et toi tu es... Bienvenue. Oh merde, PNJ. Pourquoi j'ai accepté? Merde. Ah, je sens qu'ils vont mourir. Mais du coup, c'est une quête ou... Non. Ah, mais pourquoi j'ai accepté, putain. Alors, un livre nul. Un livre nul. Bah écoutez, au moins... Ils ont de quoi lire. Ah oh, livre de rituel. Oh oh, qu'est-ce que c'est? Alors, oh, c'est. Ce volume détaille la façon de piéger l'essence d'un dragon dans une sphère de dragon. Pour une efficacité maximum, ce rituel doit être effectué contre un dracocir juste éclos, dont la croissance a été accélérée par des sorts et des enchantements. Une bête dont l'esprit est encore vide et pur, seul dont la vitalité est chargée de la jeunesse. Il faut amener au piège la créature absorbée au centre de la salle du rituel et la sphère dragon doit être placée sur le piédestal. Le corps du dragon sera certainement consumé quand sa force vitale sera absorbée. Oh oh, ok. Mais attention à ne pas déplaire au maître et subir cette terrible colère. Si le corps d'un dragon mort devait être absorbé, la sphère devra être immédiatement détruite. Si elle est par accident présentée à Clove, si celle-ci s'en nourrissait, il dévorerait l'essence du dracocir mort. Voilà qui est intéressant. Désormais, j'ai un coup d'avance sur lui. Il faut juste que je trouve cette sphère. Voilà qui pourrait m'aider.